Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 13 décembre 2020, 20h25, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Ça va même très mal. Et ça va aller de plus en plus mal. Mais il y en a pour qui ça va, et pour qui ça va un peu mieux, et c'est un conte, vraiment un conte de fées. On va aller voir ça ensemble. Vous allez vraiment être touchés aussi. Vous allez être contents pour eux aussi. Imaginez-vous, rien de moins que cette histoire. Un trésor s'échoue sur la côte du Venezuela, apportant de l'or et de l'espoir à un village. Ça a été publié hier. Ça nous vient de dnyuz.com. Ben, il y a plusieurs liens, mais moi j'ai choisi celui-là, que j'aime bien ce site. Le moment le plus extraordinaire de la vie du jeune pêcheur a commencé de la manière la plus banale, avec une visite matinale aux latrines. On est au Venezuela, à Guaca. En revenant vers sa hutte au toit de fer blanc sur la côte caraïbe du Venezuela, le pêcheur, Yolman Larens, a vu quelque chose briller le long du rivage. Passant sa main dans le sable, il a sorti un médaillon d'or avec une image de la Vierge Marie. Le village de Guaca était autrefois au centre de l'industrie de transformation du poisson au Venezuela, mais est maintenant réduit à la pénurie par le manque d'essence et la fermeture de la plupart de ses petites usines de conditionnement de poissons. Au milieu d'une telle misère, la précieuse trouvaille semblait être un miracle. « J'ai commencé à trembler, j'ai pleuré de joie », a déclaré M. Larens. 25 ans, c'était la première fois que quelque chose de spécial m'arrivait. À la maison, M. Larens a dit à son beau-père, également pêcheur, le mot de la découverte s'est répandu rapidement et bientôt la plupart des 2000 habitants du village s'étaient joints à une chasse au trésor effréné, parcourant chaque pouce du front de mer, creusant autour des bateaux de pêche délabrés, dormant même sur la plage pour protéger leurs quelques pieds carrés de sable et la fortune incalculable que l'intrigue pourrait contenir. Depuis fin septembre, leur recherche a révélé des centaines de bijoux en or et en argent, d'ornements et de pépites d'or qui se sont échoués sur leur rivage, offrant aux villageois un sursis déroutant et merveilleux, bien que de courte durée, face à l'effondrement économique apparemment sans fin du Venezuela. Des dizaines de villageois ont déclaré avoir trouvé au moins un objet précieux, généralement une bague en or avec des rapports non confirmés, selon lesquels certains avaient vendu leur découverte jusqu'à 1 500 $. Pour beaucoup ici, la prime inattendue était un message d'espoir. « C'est Dieu qui a établi son programme », a déclaré Ciro Quijada, un ouvrier local d'une usine de transformation du poisson, qui a trouvé une bague en or. Personne ne sait d'où vient l'or et comment il a fini par se disperser le long de quelques centaines de mètres de la plage étroite et de travail de Guaca. Le mystère a fusionné avec le folklore et les explications s'appuient également sur les légendes des pirates des Caraïbes, sur les traditions chrétiennes et sur la méfiance généralisée à l'égard du gouvernement autoritaire du Venezuela. Le littoral déchiqueté autour de Guaca, sur la péninsule de Paria au Venezuela, est ponctué de baies et d'îles qui ont longtemps servi de refuge aux aventuriers. Imaginez-vous quelle histoire fantastique. C'est sur cette péninsule en 1498, rien de moins que Christophe Colomb est devenu le premier Européen à poser le pied sur le continent sud-américain, pensant avoir trouvé l'entrée du Jardin d'Éden. Plus tard, ce littoral peu défendu a été régulièrement attaqué par des boucaniers néerlandais et français. Aujourd'hui, c'est un paradis pour les trafiquants de drogue et de carburant et les pirates des temps modernes qui s'en prennent aux pêcheurs. Une tempête a-t-elle perturbé un coffre au trésor de pirates ou a-t-elle brisé une frégate coloniale engloutie? La prime est-elle venue de passeurs modernes se rendant à Trinidad à proximité? Pendant des semaines, Guaca a été en proie à des spéculations. Les opposants au gouvernement ont déclaré que les responsables auraient peut-être saupoudré d'or sur la plage pour calmer les manifestations des résidents locaux contre les terribles conditions de vie. D'autres craignaient que le gouvernement envoie des soldats pour confisquer leurs trésors. Certains villageois appelaient l'or une bénédiction, d'autres une malédiction qui condamnerait quiconque le toucherait. Une fois la première photo de la découverte publiée sur Facebook, la nouvelle s'est répandue dans tout le Venezuela. Mais l'éloignement de la région, la pénurie généralisée d'essence et les quarantaines contre la fameuse pandémie ont empêché une ruée vers l'or national. Un test chimique commandé par le New York Times sur un maillon de chêne en or découvert sur la plage de Guaca indiquait que la pièce avait probablement été fabriquée en Europe au cours des dernières décennies.
Le test a montré que la chaîne était en or 18 carats de haute qualité, rare dans la production nationale de bijoux au Venezuela. L'alliage aurait été difficile à produire dans des conditions prémodernes, a déclaré le docteur Guy de Mortier, un spécialiste de l'authentification de bijoux basé en Belgique. Chris Corti, un expert technique en fabrication de bijoux basé en Grande-Bretagne, a examiné des photographies de plusieurs objets découverts à Guaca et a déclaré qu'ils semblaient avoir été fabriqués commercialement au milieu du 20e siècle. Mais il avertit qu'une analyse plus approfondie était nécessaire pour prendre une décision ferme sur la date et l'origine des pièces. La source du trésor de Guaca ne sera peut-être jamais connue. Les villageois ont presque immédiatement vendu les objets qu'ils avaient découverts pour acheter de la nourriture. « Tout ce que nous obtenons va droit dans la bouche », a déclaré Hernan Frontado, un pêcheur et beau-père de M. Larens, qui a dû mendier, imaginez-vous, des voisins pour le manioc, l'aliment de base locale le moins cher, pour nourrir sa famille, avant de trouver plusieurs morceaux de bijoux en or. M. Frontado a vendu ses trouvailles à Carupano, la ville la plus proche, pour moins ce qu'il pensait qu'elle valait pour acheter du riz, de la farine et des pâtes. Avant le début de la crise économique au Venezuela en 2014, Guaca et les villages environnants approvisionnant l'Amérique latine en sardines et en conserve de thon. Aujourd'hui, seuls 8 des 30 entrepôts de sardines rudimentaires de la région fonctionnent encore. Les usines de conserve de thon voisines, gérées par le gouvernement, ont fait faillite. Vraiment une histoire, je vous laisse ça dans la boîte de description. Formidable pour ces gens-là, une histoire sortie tout droit d'un conte de fées. Un trésor qui s'échoue sur la côte du Venezuela. Wow! Il y a juste en 2020 hein, qu'on peut voir des histoires comme ça. 2020, toute une année. Vraiment. J'ai pas hâte qu'elle finisse. Parce que c'est une année quand même assez spéciale. Mais j'ai hâte qu'elle finisse aussi. Mais j'ai pas hâte parce que 2021, ça va être vraiment peut-être même plus difficile que 2020.